Bonjour à tous. Minna sama konnichiwa. Monsieur Hiramatsu, Madame la députée, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les directeurs de musées et de galeries, chers amis, c'est un grand honneur pour la résidence de France, un grand honneur et un plaisir pour moi-même de vous accueillir aujourd'hui avec vos proches et de si nombreuses personnalités pour vous remettre les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Vous le savez sans doute, l'ordre des arts et des lettres récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Vous y prenez aujourd'hui toute votre place, en rejoignant aussi d'autres créateurs japonais mondialement reconnus, tels que Tadao Ando, Issei Miyake, Hiroshi Fujimoto, ou encore Fujiko Nakaya. Très tôt, vous montrez des dons pour le dessin et un intérêt pour les techniques de peinture de Nihonga. Suivant les codes, les techniques et les matériaux de la peinture japonaise traditionnelle, vous suivez le cours Nihonga du département d'art du lycée Asaigaoka de Nagoya, dont vous sortez diplômé en 1961. Si vous continuez à peindre la section droit et économie de l'université d'Aichi que vous rejoignez pour vos études. Vous vous en éloignez après avoir obtenu votre diplôme en 1965 et vous vous engagez dans cette carrière artistique sur laquelle nous retournons aujourd'hui avec admiration. Vous êtes un peintre de paysages dans lesquels transparaît l'influence que le grand Kawabata Ryushi a pu avoir sur vous. Vous représentez la campagne japonaise au fil des saisons, des paysages vallonnés au ciel sombre de Corée du Sud, jusqu'au gratte-ciel de Tokyo et de New York. À New York, vous y rendez dans les années 80 pour un programme artistique et vous visitez l'Empire State Building. Dans le panorama qui s'étend face à vous, vous voyez et vous dessinez une impression de ce que vous appelez un paysage extrême de la vie moderne. Puis, en 1994, vous rencontrez l'œuvre de Claude Monet. Vous êtes alors à Paris pour la première exposition personnelle que vous consacre la Galerie Jal, et vous en profitez pour vous rendre, presque par hasard, me dit-on, au musée de l'Orangerie. Les nymphéas de Claude Monet, dont vous aviez naturellement connaissance, mais à travers des reproductions, sont une fascination qui ne vous quittera plus. Vous partez sur les traces de Monet, vous visitez sa maison de Giverny et son jardin, vous vous mettez à votre tour à dessiner. Vous retracez les motifs des peintres impressionnistes, à la façon d'un peintre de Nihonga des temps modernes. Feuilles d'or, d'argent, de platine, vous utilisez les pigments minéraux les plus précieux pour vos tableaux et paravents, avec pour motif les nymphéas. Vous nous donnez à voir l'ampleur de l'influence de l'art japonais sur les peintres français et, selon votre propre formule, vous rendez le japonisme au Japon. Vous rejoignez Monet dans votre quête de la beauté et dans votre quête des jeux de lumière. Cette dernière, centrale dans l'impressionnisme, est amenée par l'or dans vos toiles, liant habilement et avec poésie l'esthétique décorative de Nihonga et celle des impressionnistes par une interprétation personnelle de la lumière. Vous ne reproduisez pas la touche crémeuse de Monet, mais vous reprenez l'envie de saisir les variations éphémères de la nature et les motifs qui obsédèrent l'artiste à Giverny, nymphéas, saules et reflets aquatiques, en leur rendant une esthétique Nihonga. L'année 2006 a vu l'ouverture de la salle qui vous est consacrée
au musée d'art de Yugawara, où s'exposent vos œuvres. En 2013, c'est le musée des impressionnismes de Giverny en France qui accueille l'exposition personnelle de vos œuvres. Vous êtes aujourd'hui administrateur de l'Association des artistes japonais et du Conseil des arts du Japon, tout en étant professeur associé à l'université Jutendo. En décembre dernier, enfin, le fruit de 3 années de travail est dévoilé à la presse, votre symphonie de nymphéas, réponse à Monet et à ses propres nymphéas. Monsieur Hiramatsu, depuis plusieurs années, vous entretenez ainsi un lien fort avec la France, avec Monet, les impressionnistes et leur histoire, ainsi qu'à travers les nombreuses expositions qui vous sont consacrées dans l'Hexagone, notamment au musée des impressionnismes Giverny. En 2013, l'exposition Hiramatsu, le bassin en nymphéa, hommage à Monet, ou encore en 2018, Hiramatsu à Giverny, dans le cadre des célébrations de l'ère Meiji, sont autant de cadeaux que vous nous offrez et qui nous permettent d'avoir une lecture autre de l'impressionnisme et de l'art japonais. Aujourd'hui, c'est pour votre illustre carrière artistique, pour l'ensemble de votre œuvre, œuvre éminemment poétique, pour son dialogue constant avec l'œuvre de Monet, pour votre engagement aussi en faveur de l'approfondissement et de l'amitié des échanges artistiques entre nos deux pays, que j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Hiramatsu Daiji-san. Au nom de la ministre de la Culture et de la Communication, j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de l'ordre des lettres et des arts. ということを言われ指摘を受けました。
そこで、その方の発案でパリで、初めての個展をしていただきました。シャンゼルゼのジャズという日本航空のギャラリーだったんですが、その展覧会の機会に、オランジェリ美術館でクロード・モネの超大作である91メートルのスイレに出会いました。その作品から日本の美の特質である飾り、遊び心、季節、時間を感じ取ったわけです。なぜ油絵の、しかも、ヨーロッパの歴史の中で、特別な意味のあるクロード・モネの超大作スイレンからこういう感情を日本人が受けるのか、それがとても私にとって大きな課題になったわけです。その頃からジャポニスムの発生と源流を、私自身で探すため、クロード・モネ、エドワール・マネ、フィンセント・ファン・ゴッホをはじめとする印象派の画家たちの日本趣味を研究してまいりました。ちょうど50歳からの旅立ちでした。2013年に、元印象派美術館の館長であられましたディエゴ・カンディル様から、日の松も遅ればせながら印象派の仲間になったという、それは私にとって本当にこの上ない喜びの言葉をかけていただきました。そしてそれは、確か印刷物の表紙のカバーにもなったと思いますけども、それから研究と発表を続けて、2018年に日本フランス560周年記念、そこでは、フランスの、要人の方々、それから日本の政府の方々、皆さんに、ご覧いただきまして、大変いい節目になったというふうに思います。それらの経験を踏まえて、今年2021年には、30年間の私自身の研究成果として90メートル全14点の屏風の連作を完成いたしました。それは「睡蓮交響曲」というテーマでして、モネの、あるいはゴッホの、あるいはマネの、日本に向ける眼差し、そういったものと日本人の心を返すということで「交響曲」というふうに、テーマを しまして、それで、30年弱の最終課題、モネ・ジャポニスムへの結実の月を迎えたと思います。正直言って内心ほっとしておりまして、大きなことを言ったけど本当にできるんかいな、なんて思われてるかもしれないと思ったんですが、いろいろ困難ありましたけども、とにかくやり遂げたということで、内心自分自身では喜んでおります。この長い間研究を支持して支援くださいました、フランス学士院のアルノ・ドートリブ様、セバスチャン・ルコンヌ大臣、モネ財団のウクガル理事長、それから、元ジヴェルニ印象美術館のディエゴ・カンディール様、モネの庭の、復元をされた、ジルベール・バーエン氏、このディレクターがプレゼントで優れた人ですけど、それから元オルセー美術館の学芸長のシルビ・パタン女子、それから、前ジヴェルニの印象美術館の学芸員の学芸責任者でありましたマリーナ・フレッティさん、それから現在のジヴェルニ印象美術館の学芸を担当されておられますバネッサ・ル・コント様、他研究者の皆様にも本当に、ここまでたどり着けたことを感謝しております。それから、日本フランス文化芸術交流にご支援いただきました、元中仏大使の小倉和夫様、それからお亡くなりになられましたけれども、中仏大使をやられた小松一郎様、
から2018年のジベン臨時美術館の古典方にご協力いただきました木寺雅人様ほか代々の最高歴史の皆様それから元 OECD 国連大使でありました吉川元秀様元ドイツ大使になられた中宮根隆さん、まあ、そういうたくさんの日本の方々からも、応援や支援をいただきまして、ここにようやく私の研究の課題がたどり着いたわけでございます。モネやゴッホが、やマネが北斎、広重に恋をして、100年後に平松がクロード・モネに恋をしました。熱い恋でした。これから100年後にまた新しい美の恋が日本とフランスの間に永遠に続くことを願ってやりません。そして最後になりましたけれども私の長い研究の中に制作発表を支えてくださった日本とフランスの友人たちそれから私の家族に感謝を伝えます。ありがとうございました。乾杯したいと思います。乾杯。